familiale. Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui au 28 septembre ? Alors, le planning familial est une association non gouvernementale de loi 1901 qui lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement, la lutte contre les violences et le droit des femmes en général. Et donc aujourd'hui, c'est très important pour venir défendre le droit à l'avortement des femmes qui est attaqué de toutes parts, aussi bien à l'international qu'en France, de manière plus insidieuse, parce que la loi n'est pas attaquée directement, mais les moyens qui ne lui sont pas donnés font que les droits des femmes sont attaqués sur l'accès à l'avortement. C'est-à-dire concrètement dans la fermeture des maternités ? La fermeture des centres IVG au sein des hôpitaux publics, peut-être bien privés aussi, les délais de rendez-vous qui peuvent s'allonger, les places au bloc quand il y a une méthode à faire au bloc qui se réduisent de plus en plus, et notamment suite après le Covid où l'activité a été réduite pour toutes les activités médicales, mais aussi pour celle de l'accès à l'avortement. Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi, à Solidaires, vous êtes venu manifester aujourd'hui, 28 septembre ? Alors, on est venu manifester pour plusieurs raisons. D'une part, par solidarité avec les États-Uniennes, avec les Polonaises, avec les femmes qui vivent en Hongrie, sans oublier celles de Malte qui n'ont toujours pas accès à l'IVG. Et puis, on est aussi là parce que, en France, même si le droit à l'IVG est légal et autorisé, avec les fermetures de maternité et d'hôpitaux de proximité, en fait, on réduit l'accès à l'IVG sur le territoire. Et en tant que syndicat, on a aussi des camarades sages-femmes qui nous font remonter que sur le terrain, en fait, elles se trouvent à... Alors, le délai a été augmenté pour pouvoir avorter, mais dans plusieurs hôpitaux, n'ont pas changé les canules, par exemple, pour avorter. Et donc, elles se retrouvent à devoir faire des IVG dans des salles de naissance. Donc, faire accoucher des femmes par voie basse alors que, voilà, elles viennent... Alors que ça serait possible de faire autrement si les hôpitaux changeaient, en fait, le matériel, comme c'est le cas en Angleterre, aux Pays-Bas, dans des pays où, en fait, on peut avorter jusqu'à beaucoup plus tard qu'en France, quoi. Le droit à l'IVG est remis en cause en France aussi parce qu'en fait, plus ça va, moins il y a de moyens, que ce soit financier et humain pour les centres IVG. Donc il y a eu je ne sais pas combien de fermetures depuis ces dernières années. Donc en fait, quand on est une femme, on a de plus en plus de difficultés à trouver un lieu où se faire avorter et à pouvoir avorter dans les temps. Donc même si maintenant on est à 14 semaines, c'est toujours pas suffisant. Le temps de se rendre compte qu'on est enceinte et d'avoir potentiellement un rendez-vous et pas à côté de chez soi, selon où on habite, ça complique d'autant plus la possibilité d'avorter. Pourquoi en tant que syndicat c'était important pour vous de venir à cette mobilisation qui est spécifiquement sur la question de l'avortement, quoi ? Pour plusieurs raisons, hein. D'une part parce qu'en fait on est des syndicats, dans les syndicats il y a des femmes qui sont syndiquées bien sûr, ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui dans les États où ce n'est pas légal l'IVG, des entreprises financent des voyages pour que les femmes puissent aller avorter. Donc, voilà, déjà d'une part ça. Et puis nous, on défend aussi les conditions de travail des salariés sur le terrain et on s'aperçoit qu'elles manquent de matériel, elles manquent de moyens. On continue de fermer des lits, on les empêche de pouvoir exercer leur métier correctement et ça aussi, on se bat pour ça aujourd'hui. Donc on revendique des moyens et pour le droit et l'accès à l'IVG en France. Okay, merci beaucoup Julie. Voilà. Bonne manif. Là, on est en train de manifester vers l'ambassade des États-Unis. Oui. Donc j'imagine que c'est parce que ça pose des questions aussi à l'international. Bien sûr. Est-ce que ça a des implications aussi pour nous en France ? Ça a des implications pour toutes les femmes. Ce qui est attaqué pour une femme dans un autre pays, elle touche toutes les femmes du monde. Et c'est pour l'objet aussi de mon fanion pro-choix des femmes, pro-planning et pro-défense des droits internationaux, par exemple les femmes iraniennes qui se battent actuellement, et pas que sur la question de l'avortement, hein, on le voit bien. Et oui, ça nous touche. Je veux dire, quand on est conscientisé de la condition des femmes dans le monde entier, même une situation qui ne nous touche pas directement nous touche de manière consciente et militante. Et de toute façon, de nos jours, une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde d'un avortement clandestin. Donc les femmes avortent. La question, c'est que nous, on veut que ce soit dans les meilleures conditions possibles de santé, d'hygiène, de tout, quoi. Parce que avorter aujourd'hui dans le monde, c'est possiblement un risque de mourir.
aujourd'hui, on passe notre temps à se battre pour toujours plus de droits, mais la réalité, c'est que 89 députés du Rassemblement National au Parlement, ça va franchement pas nous aider à gagner plus de droits et à avancer sur ces questions-là. Et notamment, effectivement, cet été, avec cette question de la polémique du planning familial, effectivement, les hommes aussi qui ont un utérus peuvent être enceintes. Et du coup, nous, il faut qu'on puisse leur permettre de vivre leur grossesse normalement et que ce ne soit pas une difficulté en France aujourd'hui. Et évidemment, sur le terrain idéologique, on doit passer notre temps à se battre sur ces questions-là et à rappeler que les droits, c'est pour tout le monde et que c'est normal, en fait. Et il y a des retours de bâton, mais nous, on est là dans la rue justement pour dire que on a droit à tout ça et pour le revendiquer et pour faire du bruit parce que l'extrême droite aujourd'hui, elle est forte en France et elle a aussi beaucoup de place dans les médias et c'est vrai que nous, on en a beaucoup moins. Merci beaucoup. Bonne manif, Neva. Merci. Et est-ce que tu peux juste nous expliquer, parce que peut-être certains, notamment des personnes qui vont nous regarder, ne savent pas ce que tu tiens dans la main. C'est un spéculum. Voilà, un spéculum, c'est un objet de manifestation, c'est une arme de militantisme massive. Super. Voilà, quand il y en a plusieurs, beaucoup. Ça fait du bruit. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'histoire.